الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، entamons aujourd'hui بفضل الله mardi soir notre sixième cours sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme à chaque cours, nous faisons un petit rappel des cours précédents. Donc, rappelez-vous, dans les cours précédents, nous avons longuement évoqué toutes les contraintes, le pacte que les Quraychites avaient signé et le boycott des habitants de Mecca avait fait à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans. Et ils avaient décidé et écrit sur ce pacte-là de ne plus commercer avec les Banu Hashim et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, et de ne plus se marier avec eux et de couper tout contact avec eux. Ensuite, ils avaient écrit ce pacte-là qu'ils avaient accroché à l'intérieur de Mecca. Et nous avons vu homme qui était venu pour parler aux Quraychites et les raisonner. Ensuite, ils avaient décidé de couper, de déchirer ce pacte-là qui était accroché à l'intérieur. Et ils ont trouvé que, alhamdoulilah, les vers avaient complètement mangé le parchemin sur lequel était écrit ce pacte de boycott, sauf le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et au nom d'eux, et Allah. Ensuite, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons évoqué Am al-Huzn, c'est-à-dire c'était l'année de la tristesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a perdu son oncle, son plus grand soutien, son oncle Abu Talib, qui malgré, nous avons dit qu'il était mort sur la mécréance, c'était celui qui l'avait le plus soutenu. Et le deuxième soutien n'était autre que son épouse Khadija, radiyallahu anha, qu'il avait dès les premiers moments de la révélation et de la prophétie. Et d'ailleurs, c'est elle la première personne qui a cru au messager et au message, au messager, sallallahu alayhi wa sallam, et au message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc après cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut très affecté par la mort de son oncle et de sa femme. Donc qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Vu que la situation devenait de plus en plus difficile pour les musulmans à Mecca, il est sorti à Taïf pour demander du secours. Taïf, qui est une ville, Taïf, qui est une ville donc qui est une ville à 70 km de Mecca. Donc ensuite, il est parti là-bas voir la tribu de Thaqif, qui était une tribu très connue. Et c'était des gens nobles. Et il est parti voir directement les responsables de cette tribu de Thaqif pour demander le soutien et pour apporter son message de croire à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser le polythéisme et le culte des idoles. Donc là, il est parti voir directement les fils de Amr ibn Umayr, donc qui était un des responsables de la tribu de Thaqif, et c'était un haut responsable et un noble. Pardon. Trois de ses enfants ont accueilli le prophète, on est parti les voir directement. Donc c'était eux qui avaient l'autorité sur la tribu de Thaqif à Taïf. Donc parmi les trois hommes, qui étaient les fils de Amr ibn Umayr, Abd al-Yalil, Yalil, Mas'ud wa Habib, donc qui étaient les trois enfants de Amr ibn Umayr, qui était le responsable de cette tribu de Taïf. Donc il leur a demandé secours, il leur a demandé du soutien par rapport aux conséquences du boycott de Mecca et ce que les musulmans subissaient de jour et de nuit pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.
Donc là, il leur présenta la religion et les a invités à rentrer dans l'islam. L'un d'eux, donc des trois fils, il a dit, je jetterai le tissu de la Kaaba si Allah t'avait vraiment envoyé. Le deuxième fils, il a enchaîné juste derrière. Il a dit, Allah n'a-t-il pas trouvé d'autre que toi pour être envoyé aux hommes? Et le troisième, il lui a dit, pour conclure, par Allah, je ne t'adresserai jamais la parole. Si tu es vraiment un messager venant de la part d'Allah, comme tu le prétends, alors tu es une personne bien trop importante pour nous adresser la parole. Et si tu mens, alors plus jamais je ne t'adresserai la parole. Le professeur a été affecté par ces propos, n'ayant pas reçu le soutien de la tribu de Thaqif. Il leur a demandé juste que cette assise soit secrète et de ne pas divulguer cette entrevue avec eux et cette conversation. Pour pas qu'ils aillent répéter cela aux Mécois et pour que le boycott s'intensifie et les violences à l'encontre des musulmans s'intensifient et que la situation se dégrade de plus en plus. Eux, bien sûr, les choses qui étaient attendues par le professeur Salem ne se sont pas déroulées. Ils ont fait tout l'inverse. Ils ont lâché les enfants, leurs serviteurs et les esclaves qu'ils possédaient pour aller agresser le professeur Salem, se moquer de lui et lui causer du tort. Donc là, une foule s'est réunie autour du professeur Salem. Donc ils voulaient agresser le professeur Salem, ils lui ont causé du tort, ils se moquaient de lui, ils l'ont insulté, etc. Donc le professeur Salem fut contraint d'aller trouver refuge dans le verger de Rabia. Donc Rabia, c'était un verger qui appartenait à ses deux fils. Les deux fils de Rabia avaient un verger où il y avait des raisins. Donc le professeur Salem s'est réfugié dans ce verger-là. Et les deux fils de Rabia, pardon, les deux fils de Rabia, ils ont assisté à toute la scène. Donc ils ont eu un peu de miséricorde. Leur cœur a été sensibilisé par cette situation. Et le prophète, une fois assuré, rassuré, il s'est reposé dans ce verger. Il a fait cette doua qui est connue. Il a dit, oh mon Seigneur, je me plains auprès de toi de ma faiblesse, du peu de mes moyens, le mépris des gens à mon égard. Oh Allah, tu es le Seigneur des faibles et le plus miséricordieux. Tu es mon Seigneur. À qui me laisses-tu? À un étranger rude avec moi ou à un ennemi ayant une emprise sur moi? Cela m'importe peu tant que tu n'es pas en colère contre moi. Ton pardon me cerne. Je me réfugie au prix. Auprès, pardon, je me réfugie auprès de ta noble face, que s'abat sur moi ta colère ou ton châtiment, à toutes les excuses jusqu'à ton agrément. Il n'y a pas de pouvoir, ou il n'y a de pouvoir ni de force que par toi. Donc, c'est une invocation qui avait été faite par le prophète sallam suite à la situation et l'encerclement des gens de Taïf, le prophète sallam, pour lui causer du tort. Alors là, les deux frères de Rabia ont été émus lorsqu'ils ont vu le professeur Sallam faire cette dua-là et attristés par la situation qu'il vient de subir. Alors, ils ont appelé un jeune chrétien qui était nommé Adès. Donc, c'est un de leurs serviteurs. Ils l'ont appelé et ils l'ont envoyé avec un plateau de raisin pour le donner au prophète Sallam. Donc, ils lui ont dit, tiens, tu mets du raisin dans ce plateau-là, tu vas l'apporter à cet homme-là pour alléger un petit peu sa peine. Donc le jeune, il s'est exécuté, et lorsqu'il est arrivé vers le prophète Hassan, il lui a remis ce plateau-là. Et le prophète, avant de manger, a dit Bismillah. Et il a commencé à manger les raisins. Le jeune, Adas, c'était un chrétien. Donc il s'est étonné lorsqu'il a vu de belles paroles comme ça prononcées par le prophète Hassan. Il a dit, par Allah, de telles paroles ne peuvent être prononcées par quelqu'un de ce pays. Il a dit, de quel pays viens-tu, ô Adès? Et de quelle religion es-tu? Il a dit, je suis chrétien de Ninive, la contrée des vertueux, c'est-à-dire de l'Abd Salih, Younes ibn Matta. Ce à quoi le jeune, il a dit, comment le connais-tu? Il a dit, c'est mon frère, c'est un prophète et je suis aussi un prophète. Le jeune homme, subhanallah, a accouru vers le professeur sallam, il lui a embrassé la tête, il lui a embrassé les mains, il lui a embrassé les pieds. Et les deux fils de Rabia, lorsqu'ils ont vu cela, ils étaient étonnés. Il lui a dit,
Pourquoi tu fais cela envers cet homme-là? Adas, il a dit, il m'a donné des faits, il m'a relaté des faits, il m'a donné des informations qu'aucun homme ne peut donner si ce n'est un prophète. Exactement, aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, il n'y a pas de meilleur homme sur terre que celui-ci, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a informé que d'une information qu'aucun prophète, qu'aucun homme ne peut connaître en dehors d'un prophète. Ils lui ont dit, méfie-toi, ô Adas, cet homme-là va te détourner de ta religion. Et ta religion est bien meilleure que la sienne. Parce qu'ils n'ont pas voulu adhérer au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très attristé de cette situation. Les historiens disent qu'il est resté à Taïf une dizaine de jours. D'autres disent, par contre, il est resté quasiment près d'un mois. Ensuite, n'ayant pas l'espoir de trouver du secours ou un soutien auprès des gens de Taïf, alors il a décidé de rebrousser chemin et de retourner à Mecca. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il allait approcher de Mecca, il fait une halte à Nakhla. Nakhla, c'est une vallée qui est à peu près à 2 jours de marche de Mecca. Il s'est arrêté là et il a commencé à prier en plein milieu de la nuit. Lorsque des djinns d'une de Nasibin, c'est une contrée qui s'appelle Nasibin, ces djinns-là, qui étaient au nombre de 7, et se sont mis à l'écouter pendant qu'il était en prière. Lorsqu'il a fini sa prière, ils se sont retournés vers lui. Ils retournèrent, pardon, auprès des leurs, parce que les djinns pouvaient aller à des vitesses très élevées, et ils leur ont exposé ce qu'ils avaient entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour les avertir du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a été confié et qu'il devait apporter à l'humanité. Et vous connaissez comme dans Surat Al-Jinn ou Al-Ahqaf, où il fait mention dans le Coran de cet épisode-là concernant les djinns avec la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, mentionne également ce groupe de djinns que nous t'avons dirigé vers toi afin qu'ils t'écoutent réciter le Coran. Une fois en ta présence, les uns dirent aux autres, écoutons attentivement. Donc ils ont écouté le Coran, puis la lecture terminée, ils repartirent avertir les leurs auxquels ils dirent, ô notre peuple, nous avons entendu la récitation d'un livre révélé après Moussa et confirmant les écritures antérieures, le livre qui expose la vraie foi et qui montre la vraie voie du salut. Notre peuple, répondez à l'appel du messager d'Allah et croyez en lui, le Seigneur effacera une partie de vos péchés et vous évitera un douloureux châtiment. En Sourate 46, verset 29. Ensuite, dans Sourate al-Jinn, il dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns, après m'avoir écouté réciter le Coran, ont affirmé à leurs semblables, nous avons entendu une lecture étonnante, propre à assurer notre salut et à laquelle nous avons cru. Nous n'associerons donc nulle divinité au culte de notre Seigneur. Sourate al-Jinn, 72, verset 1 à 2. Donc là, lorsque les djinns de Nasibin donc, ont entendu cela, ils sont partis avertir leur peuple pour qu'ils se convertissent également à l'islam, ce qu'il fut fait. Donc une fois que le prophète sallam est rentré à Mecca, triste de cette expérience de Taïf, s'en est suivi le voyage nocturne. Certains historiens, dans Kutub al-Sira, dans la biographie du prophète, ils évoquent le voyage nocturne avant la sortie à Taïf. Et d'autres l'évoquent juste après. Je ne sais pas si c'est une classification juste au niveau des chapitres ou si au niveau du temps, si le voyage nocturne a bien eu lieu avant la sortie à Taïf. En tout cas, les historiens ne l'évoquent pas. Donc là, le voyage nocturne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la mosquée de la Mecque sacrée. Il était endormi. Et il dit, quelqu'un est venu me toucher le pied. Je me suis réveillé, je me suis retourné, je ne voyais personne. Et je me suis recouché. Une deuxième fois, une personne est venue pareil me réveiller et me toucher les pieds. Je me suis réveillé, j'ai vu personne. Une troisième fois, pareil. Ensuite, c'est là que j'ai vu Jibril qui m'a pris par le bras et on m'a apporté, Jibril lui a apporté Al-Buraq,
Donc c'était une bête blanche qui était plus haute. C'est-à-dire, elle était entre l'âne et le mulet, à peu près la taille du mulet. Donc il pose ses sabots à l'extrémité de son champ de vision. Cette bête-là, Al-Buraq, n'était montée que par les prophètes. Il a dit, j'ai donc monté Al-Buraq qui m'a amené jusqu'à Beit al-Maqdis. Donc là, c'est ce qu'on appelle Al-Isra wal-Mi'raj. Al-Isra wal-Mi'raj, il est évoqué dans les livres de Sira, d'histoire, de la biographie du prophète, mais il est évoqué dans tous les livres de Aqidah. Rappelez-vous, nous en avons parlé lorsque nous avons fait Al-Usul al-Thalatha. Et tous les livres de Aqidah, que ce soit l'Aqidah al-Wasitiyya, ou l'Aqidah al-Sunnah al-Jama'a, ou l'Usul al-Sunnah l'Imam Ahmed, ou l'Aqidah al-Tahawiyya, ou autres, ils évoquent tous le voyage nocturne, car fait partie de la croyance, et fait partie de la croyance à l'invisible, le voyage nocturne. Car beaucoup de gens ont démenti la croyance au voyage nocturne. En premier lieu, les Quraychites, qui n'ont pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il leur a relaté le voyage nocturne, Al-Isra ou Al-Mi'raj. D'ailleurs, il y a une sourate que vous connaissez tous, sourate Al-Isra, qui évoque le voyage nocturne. Al-Isra donc le voyage jusqu'à Jérusalem, ensuite le voyage nocturne jusqu'au septième ciel que nous allons décrire. Donc là, il est parti avec Djibril jusqu'à Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, donc il a attaché l'animal, Al-Buraq, à l'anneau autour duquel les prophètes avaient l'habitude d'attacher le leur. Puis je suis rentré donc dans Beit al-Maqdis et j'ai prié deux unités de prière. À ma sortie, et d'ailleurs ils disent que il a dirigé la prière, plusieurs prophètes ont prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi Beit al-Maqdis. Et là, à la sortie de la prière, Jibril alayhi salam, il a apporté deux récipients. Un récipient rempli de vin et un récipient rempli d'eau. Et Jibril alayhi salam, lui a dit de choisir quel récipient il voulait boire. Et alayhi salam, le prophète alayhi salam, il a choisi le récipient contenant l'eau. Et là, Jibril alayhi salam, il lui a dit, tu as choisi ton choix à la sainte nature. À la saine nature, pardon. Donc tu as fait le bon choix. Ensuite, il est remonté sur le Burak et il est monté au premier ciel. Et là, Jibril a demandé à ce qu'on lui ouvre la porte. Il a dit, qui est-ce? Il a dit, Jibril, qui t'accompagne, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le message lui a-t-il été adressé? Tout à fait. Il a dit, oui, Jibril alayhi sallam. On nous ouvrit la porte. Donc les anges lui ont ouvert la porte du premier ciel. Et là, je me suis retrouvé alors en présence de Adam alayhi salam. Et là, il me souhaite la bienvenue. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en ma faveur. On nous amena ensuite au deuxième ciel. Donc Jibril, pareil, a demandé qu'on lui ouvre la porte. Donc Jibril lui a demandé qu'on ouvre la porte. Et là, on lui a ouvert la porte. Il a dit, qui est-ce? Jibril. Ensuite, il a dit, qui t'accompagne? Il a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on le fait entrer. Il a dit, est-ce qu'il a reçu le message? Nous disions oui. Et là, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré et il a vu Yahya alayhi sallam et son cousin Isa alayhi sallam. Ensuite, ils sont entrés, ils m'ont salué et ils ont invoqué en ma faveur. On nous amena ensuite au troisième ciel. Et là, on m'a dit également, Jibril a demandé pour qu'on lui ouvre. On lui demanda qui est-ce. On lui a dit Jibril alayhi salam, qui t'accompagne? Mohammed alayhi salam, a-t-il reçu la révélation? Nous disions oui. Et là donc, il a fait rentrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils l'ont accompagné au troisième ciel. Pareil, qui est-ce? Ils lui ont dit Jibril alayhi salam. Ils lui ont dit ensuite,
qui t'accompagne, le professeur Asselab. Ils lui ont dit ensuite, a-t-il reçu la révélation? Il a dit oui. Et là, donc c'était Jibril, c'était Youssef alayhissalam qui lui a, il l'a rencontré. Et là, Youssef alayhissalam, le professeur Asselab m'a dit, je vis que la moitié de la beauté lui avait été donnée, en parlant de Youssef, car c'était un homme très très beau, comme vous le savez, comme cela a été décrit dans Sourate Youssef alayhissalam. Youssef m'a souhaité la bienvenue. Ensuite, il a invoqué en ma faveur et on m'a ramené au quatrième ciel. Là, pareil, Jibril, il a demandé l'autorisation. Il a dit, qui est-ce, Jibril? Qui t'accompagne, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? A-t-il reçu la révélation? Oui. Et on l'a fait rentrer. On nous a ouvert la porte et je me suis retrouvé en présence d'Idriss alayhi sallam. Ils me souhaitèrent tous la bienvenue, invoquèrent en ma faveur. Ensuite, Allah a affirmé que nous l'avons élevé en lui attribuant un lieu haut placé. On nous amena ensuite au cinquième ciel. Jibril a demandé ce qu'on lui ouvre. Également, on lui a demandé qui est-ce. Il a dit Jibril, qui t'accompagne, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui ont dit ensuite, le message lui a-t-il été adressé? En fin de compte, toutes les questions ont été posées exactement de la même façon. Pendant tout le long hadith sur l'Isra et le Mi'raj. Ensuite, on nous ouvrit la porte. Et je me suis retrouvé alors en présence de Haroun alayhi wa sallam. Il m'a souhaité également la bienvenue. Il a invoqué en ma faveur. Ensuite, nous amenant au sixième ciel. Pareil, qui est-ce, Jibril, alayhi salam, qui t'accompagne, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il reçu la révélation? Ils ont dit oui. Ensuite, il s'est retrouvé, on nous ouvrit la porte et je me suis retrouvé en présence de Moussa, alayhi salam. Il me souhaita la bienvenue, invoqua en ma faveur, on nous amena au septième ciel. Et là, Jibril demande est-ce qu'on lui ouvre la porte. Et là, on dit qui est-ce? Répondit Jibril, qui t'accompagne, Mohammed, le messager. Le message lui a-t-il été adressé? Il a dit tout à fait. On nous ouvrit la porte et je me suis retrouvé en face d'Ibrahim alayhi salam. Il était adossé à la demeure fréquentée, al-Bayt al-Ma'mour, la demeure remplie, al-Bayt al-Ma'mour. Rappelez-vous, ça j'en avais parlé dans l'Usul al-Thalatha, que le Bayt al-Ma'mour, chaque jour, il y a 70 anges qui y rentrent et qui n'y reviennent plus. 70 anges chaque jour. 70 000 anges, pardon, chaque jour qui rentrent et qui n'en ressortent plus. On m'amena ensuite à la Sidratul Muntaha, le jujubier de l'extrême limite, Sidratul Muntaha. Et les feuilles ressemblaient à des oreilles d'éléphant, et on aurait pu dire que ces fruits étaient comme des jarres. Lorsque, suite à l'ordre divin, l'arbre fut recouvert, il revêtit un aspect que personne n'avait, ou personne ne saurait décrire, tant sa beauté était sublime. Alors Allah subhanahu wa ta'ala me fit la révélation. Il a reçu la révélation. Il m'imposa 50 prières à accomplir jour et nuit. Là, comme vous le savez tous, c'est connu. Donc là, comme je vous avais dit dans d'autres cours, c'est que la prière, c'est le seul pilier qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus des sept cieux. Contrairement aux autres piliers de l'islam qui ont été prescrits au prophète et à sa communauté sur terre. La prière, de par son importance et sa particularité, spécificité, elle a été imposée au-dessus du septième ciel. Et là, il est redescendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc avec l'ordre pour sa communauté et pour lui de faire 50 prières par jour et par nuit. Donc là, il a dit cela à Jibril. Il a dit cela à Moussa, pardon. Et Moussa lui a posé la question. Qu'est-ce que Allah t'a imposé? Il a dit, il m'a imposé 50 prières par jour. Il a dit, repars auprès de ton Seigneur et demande-lui qu'il allège le nombre, car ta nation ne supportera pas cela. J'ai une longue expérience avec mon peuple et ils ne supporteront pas 50 prières. Il est retourné voir son Seigneur, il a dit, Seigneur, allégez l'obligation imposée à ma nation. Il me dispensa de 5 prières. Donc il en a baissé de 5. Il est retourné voir Moussa, il lui a dit, ta nation ne supportera pas. Sollicite à nouveau ton Seigneur afin qu'il allège l'obligation qui était imposée. Il est retourné voir à nouveau Moussa, il lui a dit, combien? Il a dit, il m'a allégé encore de 5 prières. Jusqu'à qu'à la fin, il en a imposé 5. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a dit à Moussa alayhi wa sallam, il m'en a imposé 5. Il y a dit, Moussa alayhi wa sallam, ton peuple ne pourra pas supporter autant de prières. Retourne. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai eu honte de retourner voir mon Seigneur, car je suis déjà plusieurs fois. Et là, il lui a dit, a déclaré, il y a 5 prières par jour.
Chacune en vaut 10, comme vous le savez, et le nombre de prières donc atteint donc 50. Pour ceux qui ont la ferme intention, bien sûr, d'accomplir une bonne action, puis elle se réalise, alors on l'écrira comme 10 bonnes actions. Et celui qui a l'intention de faire une mauvaise action, seule une mauvaise action est inscrite, comme nous l'avons déjà expliqué dans les 42 hadiths de l'imam al-Nawawi. Aïcha radiallahu anha, dans un hadith, elle rapporte que, elle dit le lendemain du voyage nocturne. Aïcha, à l'époque, elle n'était pas encore mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il venait de perdre son épouse, Khadija radiallahu anha, mais ça, c'est lorsqu'il est remonté à Médine, par la suite, il lui a relaté le voyage, et elle rapporte de lui ce hadith. Donc Aïcha n'était pas présente pendant ces événements-là. Elle le relate beaucoup plus tard. Elle dit le voyage nocturne, le lendemain, le prophète a que le prophète a effectué vers l'Aqsa, les gens ont commencé à parler. Donc certains qui avaient de la curiosité et qui considéraient que l'islam c'était la vérité, ont alors renié la religion. Car ils n'ont pas cru que cela pouvait être possible. Comment le prophète en une nuit, il est parti de Mecca jusqu'à Beit al-Maqdis, que sur le dos de chameau, tu peux le faire en plusieurs jours, peut-être même des mois, à pied. Donc ils ont apostasé, ils n'ont pas cru, ils ont délaissé l'islam. Et se rendirent ensuite auprès d'Abou Bakr pour lui apporter la nouvelle. Peux-tu faire quelque chose pour ton compagnon? Et là, Abou Bakr les prétend, ils disent que le prince prétend qu'il est parti à Jérusalem, en une nuit il est revenu. Abou Bakr lui a dit, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut me dire, je le crois. Et même s'il m'importe, on me donne des informations encore plus invraisemblables, alors j'y croirai. Il a dit, je le crois pour ce qui est des informations venant du ciel matin et soir. Et voilà pourquoi Abou Bakr al-Siddiq fut nommé al-Siddiq. Car c'est le premier à avoir cru en lui concernant le voyage nocturne, alors que tous les autres l'ont démenti, surtout les Qurayshites. Donc là, le professeur sallam me dit, lorsque je me suis retrouvé à la Mecque le lendemain de mon voyage nocturne, j'étais angoissé. Je savais que les gens n'allaient pas me croire, ils allaient me traiter de menteur. Et c'est assez à part, triste, de ce que les gens allaient dire de lui, les Qurayshites. Et l'ennemi d'Allah, Abu Jahl, il est venu passer près de lui, et il alla s'asseoir à ses côtés. Il lui a demandé, d'un ton moqueur, c'est-à-dire Abu Jahl, il a dit au prophète sallam en se moquant de lui, que se passe-t-il ou que s'est-il passé? Le prince sallam lui répliqua, quoi donc? Il a dit, j'ai voyagé cette nuit. Il lui a dit, où es-tu allé? Il a dit, je suis allé à Beit al-Maqdis, c'est-à-dire à Jérusalem. Il a dit, et tu t'es retrouvé parmi nous le lendemain? Il était étonné, le prophète sallam a dit, oui, non, tout à fait. Abu Jahl a fait mine de ne pas douter de la parole du prophète sallam. Ensuite, il a dit, est-ce que tu pourrais répéter ces propos-là si j'appelle mes amis, les Qurayshites? Il a dit, na'am. Il a dit, oh fils de Ka'b ibn Lu'ay, venez voir. Les gens se sont tous rassemblés autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, répète à ton clan ce que tu viens de me dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai voyagé cette nuit et je suis allé à Al-Bayt al-Maqdis. Et tu t'es retrouvé avec nous le lendemain. Ils étaient tous étonnés. Certains ont tapé des mains. D'autres posèrent leur tête. Les posèrent sur leur tête en signe d'étonnement. Car ils savaient que pour eux, ils ne pouvaient pas accepter une telle vérité. Donc, ils ont démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seul Abu Bakr était le premier à croire fermement à cette information-là. Et Abu Bakr al-Siddiq n'a jamais douté de quelconque information apporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'il s'appelait As-Siddiq, le véridique. Donc certains là de Qurayshid, ils ont dit, certains d'entre nous ont déjà voyagé à Jérusalem et nous connaissons la description de la mosquée. Et ils l'ont déjà vu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors j'ai commencé à leur décrire la mosquée sacrée de Beit al-Maqdis. Et là, il a dit, ensuite, pendant que j'étais en train de la décrire, certaines informations m'ont échappé concernant la description détaillée. Et là, j'ai commencé à avoir de l'angoisse. J'avais peur que ensuite ils ne croient pas à mon récit. Et là, il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala l'a posé sous mes yeux, la mosquée. Et vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la kulli shay'in qadir.
Il est puissant et il est capable de toutes choses. Il a posé sous mes yeux et j'en fais une description tout en la regardant. Les gens dirent par Allah, la description est juste. C'est celle que nous avons vue lorsque nous avons voyagé à Jérusalem. Et sur un autre récit, le messager d'Allah dit, je me suis retrouvé dans l'enclos Hijr al-Ka'ba, dans l'enclos de la Ka'ba, face à la tribu de Quraysh qui était en train de m'interroger au sujet du voyage nocturne. Et certains détails de la description de la mosquée de Bayt al-Maqdis m'ont échappé. Alors Allah l'a mis sous mes yeux, et chaque fois qu'il me demandait de leur décrire un endroit, je leur répondais. Et je me suis également trouvé parmi certains prophètes. Donc il leur a dit, Moïse était debout en prière, c'était un homme svelte, aux cheveux bouclés. Ensuite, il leur a fait la description de Isa alayhi salam également, qui était debout en prière. Il a dit, il ressemble, l'homme à qui il ressemble le plus, c'est Urwa ibn Mas'ud. Ensuite, il a dit, j'ai vu Ibrahim alayhi salam debout en prière. Et il a décrit également d'autres prophètes. Et donc, là, malgré tout cela, ils n'ont pas cru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, était parti visiter la mosquée sacrée de Jérusalem, ainsi que il est monté jusqu'au septième ciel. Donc là, suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé donc une nouvelle mission. Et il a commencé à exposer son messager aux différentes tribus arabes. Donc rappelez-vous, au début, il a commencé que par les Quraychites. Il a vu que très peu ont répondu à son message. Il est parti voir Thaqif. Donc à Taif, pareil, ils n'ont pas répondu à son message. Et là, les Arabes, comme nous l'avons déjà dit auparavant, venaient chaque année pendant le pèlerinage. La Mecque était un lieu de pèlerinage pour les différentes tribus arabes. Et là, le prophète a commencé à exposer son message aux différentes tribus arabes pendant le pèlerinage. Lorsqu'il a vu qu'il ne pouvait pas trouver de soutien auprès de son peuple et qu'il était devenu menaçant de plus en plus, que la situation était de plus en plus difficile suite à la mort de son plus grand soutien Abu Talib, il a décidé d'aller demander le soutien des autres tribus arabes. Et parmi ce jour-là, Amina, qui était présent avec lui, il y avait Rabi'a ibn Ibad. Il raconte, j'étais encore jeune et je me trouvais avec mon père Amina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêtait dans toutes les tentes de toutes les tribus arabes. Il leur disait, oh Banu Intel, en citant le nom de chaque tribu, je suis l'envoyé d'Allah auprès de vous. Il vous ordonne d'adorer Allah et de ne rien lui associer, d'arrêter de vouer un culte à ses idoles, que vous mettez sur un même pied d'égalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Croyez en moi, accordez-moi votre protection le temps que je puisse vous exposer en détail mon message qu'il m'a chargé de vous transmettre. Et à chaque fois qu'il finissait ce message-là dans une tente auprès d'une tribu, il y avait un homme qui le suivait. Donc c'était un homme au teint clair qui était coiffé de deux tresses et qui portait un vêtement yéménite, des gens de Aden. Et dès que le prophète avait fini de parler, il se présentait à eux et disait, oh Bani Intel, cet homme cherche uniquement à vous détourner de la religion de vos ancêtres et de vos idoles, Al-Lat ou Al-Uzza. Donc ne l'écoutez pas. Et là, il a dit, Rabi'a ibn al-Ibad, j'ai demandé à mon père qui était cet homme-là. Il lui a dit, il n'est autre que Abu Lahab. Donc c'est lui qui venait et qui venait discréditer et démentir les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de chaque tribu. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là les premiers ansars ont commencé à se convertir à l'islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire triompher sa religion et accorder davantage d'autorité à son prophète pour que la promesse qui lui avait été faite voit le jour. Donc là le prophète il se rendit auprès des membres de la tribu de Médine, Al-Khazraj. Donc il y avait deux tribus à Médine, Al-Khazraj ou Al-Aus. Et s'est présenté à eux, donc il leur a décrit son message et il se trouvait à Al-Aqaba. Donc Al-Aqaba qui est pendant le lieu de pèlerinage qui est juste à côté de Mecca. Donc là, il a croisé certaines personnes et il leur a parlé de son message et d'embrasser l'islam et de le suivre.
Donc, et ces Médinois-là, ils cohabitaient avec qui? Avec les Juifs, donc qui étaient les habitants de Médine également, qui eux croyaient au livre. Alors que les Arabes de Médine, Al-Khazraj ou Al-Aus, c'était des païens et des polythéistes, ils ne croyaient à aucun message. Et les Juifs les avaient menacés à maintes reprises en leur disant qu'il y avait un prophète qui allait venir et qu'ils allaient croire en lui et qu'ils allaient les massacrer en parlant des habitants de Médine. Donc eux ont dit, nous allons nous empresser de croire en lui et nous lui apporterons notre soutien. Comme ça, nous aurons le prophète avec nous. Donc là, le prophète, l'un d'eux, donc des Khazraj, il a dit, il y a une animosité qui règne entre nous, entre les différentes tribus. Donc il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse autour de cet homme-là sous une même bannière. Nous irons donc le voir et nous le présenterons donc ta religion à laquelle nous venons de nous convertir. Donc là, ils ont adhéré au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sont retournés voir leurs compatriotes de leur tribu à Médine. Et donc, ils sont devenus musulmans. Donc là, les premiers musulmans ont commencé, les premiers habitants de Médine ont commencé à embrasser l'islam. Ils étaient au nombre de 6 au début, donc les habitants de Médine, Al-Khazraj. Ensuite, l'année d'après, la même année pendant Al-Hajj, ils venaient chaque année pendant le pèlerinage. Ils sont venus rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'Aqaba. Ils étaient au nombre de 12. Également là, donc, qui est connu de le serment de l'Aqaba, la première allégeance de l'Aqaba. Donc, ils étaient au nombre de 12. Et Ubadat ibn Samit, qui raconte les faits, il a dit, je faisais partie de ceux qui prêtèrent le premier serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Aqaba. Donc, nous étions 12 hommes. Et au lieu, et ça c'était avant d'avoir l'ordre de combattre. Donc là, l'allégeance c'était d'adorer un seul, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer et de ne pas lui associer des fausses divinités. Dans le serment d'allégeance, ils ont dit de ne pas voler, fuir le péché de la chair, c'est-à-dire la fornication, ne pas tuer leurs enfants, ne pas attribuer à leur mari des enfants qui ne sont pas les leurs, ne pas transgresser aucun de ses ordres, et le paradis nous était promis si on avait respecté ces engagements-là. Et si le serment était rompu, alors Allah pouvait nous châtier ou nous pardonner selon son bon vouloir. Donc là, ils sont retournés à Médine, et le prophète sallam a envoyé avec eux Mus'ab ibn Umayr, dont nous avons déjà parlé pendant la bataille de Hud. Et il était chargé de leur lire le Coran et de leur enseigner l'islam. On l'appelait l'enseignant. Et c'est lui qui présidait donc les prières et qui leur apprenait le Coran et l'islam. Car les Khazraj et l'Aus, ils se faisaient la guerre. Ils ne s'aimaient pas. Ils ne voulaient pas que ce soit l'un des leurs qui dirige la prière ou qui leur apprenne l'islam ou qui récite le Coran. Donc le prophète a envoyé que Mus'ab ibn Umayr. Ensuite, il y a eu le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba. Là, Mus'ab ibn Umayr est revenu à Mekka lors du pèlerinage. Et l'Ansar, certains Ansar, donc maintenant c'était eux qui ont porté secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes modernes de Médine, sont revenus à Mekka après s'être convertis à l'islam. Et ils étaient accompagnés de certains polythéistes de leur tribu. Donc ils ont donné rendez-vous au prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'Aqaba, 2 jours après l'Eid, donc la fête du sacrifice, ils étaient au nombre de 73 et 2 femmes. Donc là, ils ont grossi les rangs des musulmans et plusieurs d'entre eux donc se sont convertis à l'islam. Et là, le prophète, lorsqu'il est venu sur le lieu, il est venu avec son oncle, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Et c'est lui qui a pris la parole en premier. Il a dit, oh, assemblée d'Al-Ansar, vous savez bien quel est le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi nous. Nous le protégeons malgré tout ce que lui veulent du mal parmi les Qurayshites. Malgré que nous ne partageons pas sa religion, nous lui donnons protection et nous lui apportons notre secours. Aujourd'hui, il décide de se rendre chez vous, c'est-à-dire qu'il va partir à Médine. Et nous allons voir qu'après cela, le prophète va émigrer à Médine. Si vous avez décidé de prêter allégeance et de lui porter secours, d'accord, si vous ne pouvez pas assumer les conséquences et de ne lui pas porter secours, alors quittez cette assemblée maintenant. Donc là, car il a dit, à Mekka, avec nous, il est en sécurité auprès des nôtres, malgré tout ce qui se passait contre les musulmans.
Là, il a dit, nous avons bien entendu ce que tu as dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Donc il a lu le Coran, il a appelé l'islam, il a incité les gens à se convertir. Et il leur a demandé de faire allégeance et de lui accorder leur protection. Au même titre qu'il protège les femmes et les enfants. C'est-à-dire protéger le prophète comme il protège leurs femmes et leurs enfants. Il a dit, par Allah qui t'a envoyé avec la vérité, nous te protégerons tant que nous le faisons pour nos propres, comme nous le faisons pour nos propres personnes. Donc ils ont accepté cette allégeance, et un des hommes a dit, nous craignons que si nous te faisons allégeance, ensuite tu vas nous délaisser, si tu obtiens une supériorité auprès de nous. Et le professeur Sam les a rassurés, en leur disant qu'ils étaient désormais indéfectiblement liés les uns aux autres, dans la paix comme dans la guerre. Ensuite, ils se sont dispersés et il a dit, si tu souhaites, nous pouvons dès maintenant engager des combats avec ceux qui se trouvent à Mina. Et le prophète Hassan leur a dit non, qu'ils n'avaient pas reçu l'ordre de combattre. Donc voilà, concernant donc ces deux serments de l'Aqaba, Bay'at al-Aqaba al-Oula wa al-Thaniya. Et juste après cela, Inch'Allah, le prophète Hassan l'a dit, va décider de faire la hijra à Médine, et cela nous en parlerons inchallah dans le cours prochain. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.